Salut les amis golfeurs. Bon, bah écoutez, de bon matin, il est à peine 8 heures, toujours au golf d'Angoulême pour, je pense, mon troisième vlog aujourd'hui. La météo était très incertaine ces derniers temps, mais aujourd'hui ça a l'air d'être assez calme, j'espère que ça va le rester. On va se faire un petit vlog un petit peu plus rapide que d'habitude, je vais essayer de vous montrer au moins tous les coups correctement, de pas trop parler pour que ça soit un vlog un peu moins long. Mais je vais quand même vous montrer l'ensemble du parcours avec un petit objectif personnel. Je vais essayer de jouer vraiment très sérieusement en réfléchissant bien à tous mes coups, en m'appliquant sur tous mes coups. L'objectif c'est de faire mieux que mes deux premières fois. Voilà, donc et allez, on va essayer de jouer. Allez, on va essayer de jouer le mieux possible. J'aimerais bien essayer de jouer. Alors, je vais partir des jaunes. Il y a eu quelques règles qui sont venues là s'ajouter aux règles existantes par rapport à la météo. Alors déjà, je vais partir des jaunes, ça c'est sûr. Et on a le droit de placer la balle sur le fairway et également sur le rough. Donc, c'est quand même un petit avantage que je vais pas négliger. Donc allez, on va se dire, on va essayer de jouer. Eh bien, c'est simple. Allez, on va essayer de jouer moins de 12 aujourd'hui. Allez, on se donne cet objectif-là. Ça se trouve, je vais me planter, mais allez, je me donne l'objectif de faire beaucoup mieux que les dernières fois, en espérant que le parcours soit jouable. Je sais que de toute façon, la partie du haut, donc le 1, le 9, le 10 et la fin du 18 vont être très gras, mais il faut s'adapter. Et puis on va voir ce que ça donne. Je me retrouve au départ du numéro 1. Le jour se lève sur Angoulême. Je suis le premier au golf. Je préfère partir le premier, comme ça je suis tranquille. Et la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, apparemment. Eh ben, on y va, c'est parti. Bonne partie. Salut les amis. Vamos. Alors on démarre ce trou numéro 1, un par 4 de 283 mètres avec un hors limite tout le côté gauche et un bunker aux alentours de 200 mètres. Donc l'objectif c'est d'être le plus droit possible pour pouvoir avoir un deuxième coup vers le green. Drive qui part un petit peu sur la droite mais qui sera quand même en jeu pour pouvoir faire un deuxième coup à moins de 50 mètres du drapeau. Petit détail quand même avant d'aller au second coup, petit détail sur la partie d'aujourd'hui, étant donné qu'il a énormément plu ces derniers temps, le chariot est interdit. Donc je vais jouer avec le sac sur le dos. Et mais on sait très bien que ça a aussi une importance sur l'état physique de la fin de la partie. Donc voilà, donc c'est un petit détail qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est pas grave ça, on va s'adapter. Allez, on va au coup numéro 2. Voilà ma balle. Elle est un petit peu roulée sur la droite du fairway. Je pensais qu'elle était plus plein milieu, mais finalement non. Je suis à 50, 60 mètres maxi. Ouais, 50, 50 mètres, je pense, du drapeau qui est à l'entrée de green. Par contre, j'ai ces branches-là qui vont un peu me gêner, je pense. Donc, je vais essayer de passer un tout petit peu à gauche des arbres là, en hauteur, pour essayer d'aller me placer pas loin du mât. Allez, on y va. Je vais prendre mon 53 degrés. Coup pas très bien exécuté, un peu gratté, du coup la balle se lève et va manquer un peu de distance pour arriver jusqu'au green. Je me retrouve à une vingtaine de mètres du drapeau. L'objectif est de faire un bon contact de balle pour qu'elle tombe avant l'entrée du green, pour qu'elle roule jusqu'au drapeau. Mais malheureusement, je vais taper un peu le sol avant et du coup, il va me manquer de la distance pour atteindre le drapeau et me retrouver à limite entrée de green pour essayer de sauver le par. Je décide de prendre le putter, même si l'entrée de green est abîmée et je pense que c'est une erreur. On le voit pas très bien à l'écran, mais c'est bien abîmé et du coup sur mon putt, la balle va se freiner un peu plus vite que prévu et il va m'en manquer pour arriver jusqu'au trou. Il me reste un putt d'à peine un mètre, un peu moins d'un mètre que je vais rentrer et je vais donc faire bogey sur ce premier trou de la partie.
Bon, ben, bogey pour commencer. Bah, une pas très belle approche les deux. Voilà, des coups moyens sur ce trou-là. Tant pis, on va se rattraper sur le prochain. On va mettre ça sur le compte du manque d'échauffement. Enfin, faut bien trouver une excuse, même si j'en trouve jamais. Regardez, je vous montre l'arrière du green. Donc vous voyez sur ce green-là, le trou numéro 1, vaut mieux pas être derrière. Parce que là, c'est la misère. Voilà. Allez, on va au trou numéro 2. Trou numéro 2, par 4 de 277 mètres jusqu'au drapeau. Très, très dévers vers la gauche avec un hors limite à gauche. Donc l'objectif est vraiment de se trouver, de viser la partie droite du fairway pour que la balle finisse au milieu. Pas de danger particulier sinon ailleurs, mais la mise en jeu est très importante, sachant qu'il y a un arbre juste avant le green, donc il ne faut pas être trop long non plus pour pouvoir passer l'arbre pour l'attaque de green. Bon, ben voilà, ça commence bien. J'ai oublié d'appuyer sur démarrer la vidéo pour vous montrer mon drive. Bon, ben alors je vous l'explique. Mon objectif était de me mettre en... Sur la piste, il y a un très fort dévers vers la gauche, donc j'ai joué un fade pour contrer la pente et j'ai dû me mettre normalement où il faut sur la piste pour pouvoir faire un deuxième coup. Allez, je vous montre ça. Je me retrouve à 80 mètres du drapeau, je décide de prendre le pitch avec les pieds en dévers, donc je vise un petit peu à droite et la balle passe par-dessus sur l'app pour aller se pluguer sur le green. Il me reste un putt en montée gauche-droite de à peu près 6 mètres. Donc l'objectif est de me rapprocher le plus près du trou, éventuellement le rentrer. Mais le plus important, c'est le dosage. Donc je fais un putt relativement correct qui me donne un par donné pour ce deuxième trou. Et je reste donc à plus 1. On arrive sur le trou numéro 3, petit par 4 de 235 mètres, tout en montée, green en aveugle, donc pas de danger particulier, il faut driver sur le fairway pour avoir un coup d'attaque pour le green. Ma mise en jeu est réussie, je vais faire donc un drive bien droit, direction le green, je vais me retrouver au milieu de fairway. Je me retrouve à 60 mètres du drapeau, je décide d'attaquer avec mon 53 degrés direction le mât. L'approche est parfaite, je me retrouve à 2,50 mètres du drapeau et je putte pour birdie. Est-ce que ça va être le premier birdie de la chaîne YouTube? Résultat. Et voici le premier birdie sur la chaîne. Très bien, à suivre. Trou numéro 4, un par 3 de 118 mètres, tout en dévers vers le bas, donc ça raccourcit les distances. Le green est bien défendu, il faut vraiment être sur le green, sinon on peut se retrouver très bas. Bien taper son premier coup, prendre un fer de moins. Étant donné qu'il y a une grande distance vers le bas, je ne peux malheureusement pas filmer le green d'où je suis car on ne le voit pas, donc je préfère filmer de côté pour qu'on voit le coup partir. Je prends donc un fer 9 que j'essaye de tenir et viser le milieu de green. Mon fer 9 est un peu long, je me retrouve sur le plateau du haut du green, il me reste donc un putt en descente, gauche-droite, l'objectif là aussi, vu la distance, de me rapprocher au maximum du trou pour me donner le par. Je m'applique, je trouve une bonne ligne, je suis plutôt bien en place et je pense que ma balle va rentrer finalement, elle lèche le trou et finit juste à côté. J'étais très proche de faire un deuxième birdie de suite. Ouh là là, j'étais à deux doigts de faire encore un birdie. Elle est vraiment, elle a léché le trou. Elle a vu le trou pendant très peu de temps, mais elle a vu le fond du trou, la balle. C'est dommage. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de faire un bon putt, d'essayer de me donner la chance
de leur rentrée, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un bon petit par. On va au trou numéro 5 qui est le premier par 5 du parcours. Allez, on y va. Trou numéro 5, par 5 de 454 mètres. On ne le voit pas très bien parce que le panneau a vécu, mais il fait 454 mètres. Léger dogleg gauche, il tourne au départ et ensuite c'est tout droit jusqu'au drapeau. Donc l'important de la mise en jeu pour couper le dogleg et avoir un deuxième coup intéressant pour s'approcher du green qui est ensuite tout droit défendu par quelques bunkers. Malheureusement, je vais rater ma mise en jeu et je vais me retrouver sur le fairway d'à côté qui est le trou numéro 13 pour un coup pas facile. Je décide donc, ne pouvant pas aller sur le fairway du numéro 5, de continuer sur le fairway numéro 13 avec un lay-up au fair 7. Il me reste un coup de 180 mètres, je prends mon hybride, malheureusement je le manque et je vais me retrouver dans le rough pas très bien placé pour attaquer le green. Je me retrouve à 90 mètres du green, je prends mon pitch pour sortir du rough et essayer d'attaquer le mieux possible le drapeau. Je me retrouve un petit peu court du drapeau, j'ai un putt de 7-8 mètres à réaliser. L'objectif c'est de me rapprocher le plus possible, je me fais un petit peu surprendre par la pente et je vais donc dépasser le drapeau un peu trop pour un putt de retour pas si simple que ça. Il me reste d'un putt d'1,50 m où je pense un léger gauche-droite et donc je m'aligne en conséquence, je putte et malheureusement ma balle ne va pas tourner et va se finir juste à gauche du trou pour le double bogey. Ah, je suis déçu de faire double bogey sur ce trou. Déjà mon drive un peu parti à droite et a été freiné par les arbres, donc du coup au niveau de la distance. J'en ai manqué, mon lay-up, j'ai pas voulu être trop long parce que je voulais rester sur le fairway. Le problème c'est que c'est tellement gras là pas rouler, donc il me restait un grand coup. Par contre mon troisième coup je l'ai raté, hein, voilà tout simplement. Après mon approche du rough est plutôt très bonne, hein, elle est sur le green. Voilà, j'ai pas le droit de prendre trois putts. Pas le droit de prendre trois putts d'où je suis. Un peu trop de dose, pas assez de pente, du coup je me retrouve long et. Et le pote de retour, persuadé qu'il y a une légère pente, je vise bord gauche et la balle elle bouge pas du tout. Donc là, quelques petites erreurs qui me coûtent cher. Donc, bon allez, plus 2 départ du 6. C'est pas mal, mais je peux faire beaucoup mieux. Allez, on continue, c'est comme ça. On est sur l'handicap 1, mais on va pas y penser, on va essayer de faire ce qu'il faut. Allez, on y va. Trou numéro 6, un par 4 de 315 mètres en fort dogleg droit avec un gros dévers juste après le dogleg, grosse descente et grosse montée avec un green complètement surélevé à plusieurs plateaux. Trou assez compliqué où il faut une très bonne mise en jeu pour éventuellement avoir une ouverture vers l'attaque du green. Je fais une très belle mise en jeu juste au-dessus de l'arbre en léger fade qui va me mettre sur le plateau avant la descente et je vais pouvoir donc voir le green. 160 mètres du drapeau, je prends un fer 5 que je joue en léger fade à cause de la pente pour essayer au moins d'atteindre le plateau. Je vais me retrouver au bord du green. Approche difficile, je suis tout en descente. Ça descend très très fort vers le drapeau. L'objectif pour moi c'est de très bien contacter la balle, la faire rebondir pré-green et laisser la pente faire le travail. Je passe très bien dessous, ma balle roule très bien et touche le drapeau et finalement ne rentre pas. On aperçoit sur le green les traces de la balle qui a touché le drapeau. Je pense que sans le drapeau, la balle pouvait finir dans le trou. Il me reste un putt en montée de à moins d'un mètre. Tout droit, il suffit simplement d'être franc dans le putt pour que ça rentre et je vais donc faire un très joli par sur ce handicap 1. C'est rageant hein, quand même, c'est très rageant le golf hein, quand même. Je pense que s'il n'y a pas le drapeau, elle rentre la balle, parce qu'elle est plein centre du trou. Et alors elle descend assez vite, mais je sais pas si sans le drapeau, elle rentre ou si elle va plus loin derrière, j'en ai aucune idée. En tout cas, l'approche est parfaite, elle va au trou et elle touche le drapeau et elle s'arrête derrière. Bon, je rentre, je fais le par sur le handicap 1, on va dire que c'est bien. Mais bon, c'est un peu rageant quand même. Allez, on est à plus 2, départ du 7, on y va.
Trou numéro 7, un par 3 de 165 mètres, green en montée. Pas de difficulté particulière sur ce trou, pas d'obstacle, mis à part qu'il y a un bunker derrière le green, donc il ne faut pas être long. L'objectif est de jouer le milieu de green pour avoir un putt sur un green assez plat. Je joue un bon coup de fer 5, mais je crois que la balle était un peu haute sur le tee, donc la balle monte et va manquer de distance et il va me manquer presque 15 mètres pour arriver au green. Je regarderai la vidéo, mais peut-être que ma balle est un petit peu haute sur le tee pour se faire 5. Et du coup, je la prends pas pleine plaque, je la prends un petit peu dessus et je perds les 7-8 mètres qu'il me manque pour être sur le green. C'est dommage. Bon, allez, on va aller voir, il y a une approche à faire et un putt à rentrer. Allez, on y va. Il me reste un petit chip de 20 mètres à peu près pour aller au drapeau. Je prends mon 53 degrés. L'objectif est d'atteindre un tout petit peu avant le drapeau car le green est assez humide, donc la balle va plutôt se ploguer. Donc je m'applique pour avoir un bon contact de balle pour essayer de faire mourir la balle le plus près possible du trou. Très bon chip qui finit à 50 cm du trou. Le putt pour le par est donné. Et je reste donc à plus 2 au départ du 8. C'est très bien de faire un par sur ce trou. Trou numéro 8, un par 4 de 273 mètres, assez atypique, avec une grosse cassure où on voit sur le panneau le petit trait blanc, un chemin qui passe. Il faut absolument faire au moins 190 mètres avec le drive pour se retrouver sur le plateau du haut, sinon on se retrouve dans la cuvette et après avec une attaque en aveugle. Donc l'objectif est de mettre un drive assez long pour rester sur le haut du plateau pour pouvoir avoir l'attaque de green. Malheureusement, je rate mon départ, je slice beaucoup et je vais me retrouver où il ne faut pas, dans la cuvette avec une attaque de green en aveugle. Il me reste 90 mètres, je prends mon fer 9, le drapeau se trouve au niveau du poteau du grillage, je mets un bon coup et je vais me retrouver au bord du green. Il me reste une approche de 15 mètres pour aller au drapeau, je décide de prendre mon 53 degrés pour la faire monter un peu et la freiner pour aller au drapeau. Je la contacte bien, mais elle dépasse un petit peu le trou. Je me retrouve avec un putt de presque 3 mètres, putt de retour. Pas de difficulté particulière, c'est tout droit. Le green est assez détrempé. L'objectif, c'est de mettre un coup bien sec en direction du green, en direction du drapeau. Je m'applique et je réussis un très beau par malgré un départ raté. Trou numéro 9, un par 3 de 180 mètres avec un tout petit green bien défendu par des bunkers devant. Hors limite à gauche, bois à droite qui nous sépare du trou numéro 1. Donc il faut être très droit, assez long, un green en montée en plus. Donc un coup pas simple et un trou pas facile. Je décide de prendre mon hybride, de le taper en léger fade pour me mettre aux abords du green et je vais rester un petit peu court. Je suis court de 25 mètres du drapeau. Je prends donc mon 53 degrés pour faire une approche lobée et essayer de tomber au milieu du green, entre le green et entre l'entrée du green et le drapeau. Le green est assez mouillé, donc l'objectif c'est vraiment de bien la contacter. Malheureusement, je vais faire une belle petite gratte et pas dépasser les 10 mètres. Je vais malheureusement oublier de filmer le prochain coup. Je vais réussir mon approche, mon deuxième chip qui va me mettre donné pour le bogey. Oh, j'ai pas filmé l'approche, mais elle est magnifique. Oh, je suis dégoûté de ne pas l'avoir filmé. Mais je l'ai mise ici. Voilà. Et je le putte pour le bogey. Oh, c'est dommage que je ne l'ai pas filmé, mais en tout cas, elle était super belle et je ne me suis pas frustré sur l'approche grattée. Donc c'est bien, je finis à plus 3 à l'aller, ce qui est quand même plutôt un bon score. Allez, on va essayer de faire mieux sur le retour. Go!
On démarre le retour sur le trou numéro 10, un par 3 de 164 mètres en légère descente. Un green bien défendu, il ne faut surtout pas être long. On peut être court dans l'axe, mais pas sur les côtés parce qu'il y a des bunkers. Le green est assez grand, assez plat. L'objectif, c'est de toucher le green. Je tape un très bon fer 5. J'ai le sentiment dans mes mains qu'elle est un poil courte. Et finalement, elle sera presque parfaite. J'arrive à ma balle, j'ai eu un effet d'optique, elle est magnifique. Franchement, elle a pitché le green. Je pensais qu'elle était. Ah non, elle est parfaite, je vais vous montrer ça. Mais une belle chance de birdie. Une belle chance de birdie sur ce trou qui est en plus pas simple. Donc je suis super content. Allez, je vous montre ça. Voilà. Voilà, beau pitch. Voilà, j'ai un putt de. Ah, de 3 mètres, 3 mètres 50 à rentrer. Pour le birdie, eh ben. On va s'appliquer pour essayer de le rentrer. Allez, go! J'attaque ce putt pour le birdie. Malheureusement, ma balle va sauter un tout petit peu au début. Et de toute façon, je ne pense pas avoir la bonne ligne. Donc, je m'écarte un petit peu sur la droite. Je fais un très beau par sur ce par 3. Dommage, il y avait plus de pente que je ne pensais. Mais c'est pas grave, c'était un bon putt. Et c'est un très joli par. Allez, on va au trou numéro 11. Trou numéro 11, un par 4 de 288 mètres. La difficulté de ce trou, hors limite sur la droite, qui se resserre à 60 mètres du green. Donc il ne faut surtout pas se retrouver à droite. Essayer de viser à gauche, mais il y a quelques arbres. L'objectif est de faire un drive tout droit pour avoir une attaque de green 80-90 mètres qui va rester sur un green tout en descente. Je fais un très bon drive qui va se positionner en plein milieu du fairway. Il me reste 80 mètres pour aller au drapeau. Je prends un pitch, j'essaye de le tenir et je vise le milieu du green. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'étais persuadé d'être milieu de green, sauf que ma balle n'est pas sur le green. Ma balle est 20 mètres derrière. Oh, j'étais persuadé d'avoir fait un super coup, d'avoir pitché le milieu de green pour me faire deux putts. Et finalement, je me retrouve derrière, entre les deux bunkers, avec une grande butte à monter là. Donc je vais faire un petit coup en aveugle. Et ben là, je suis surpris. Surpris d'être si long parce que, alors certes, je l'ai bien contacté, mais je pensais avoir fait un demi-coup. Mais voilà, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Et maintenant, il va falloir que je fasse une belle approche pour me poser près du mât et faire quelque chose de bien. Allez, on y va. Je réalise une très belle approche qui va me positionner à 1,50 m du drapeau, pas facile pourtant d'où j'étais. Il me reste un putt d'1,80 m, à peu près 1,50 m, 1,80 m. J'ai une bonne ligne, sauf que je mets un petit coup de poignet à l'impact et je loupe le trou, ce qui va m'agacer fortement. Ah là, je suis en colère. Je suis en colère de ce putt parce que j'ai la ligne, j'ai tout, j'ai placé ma balle et non, je mets un coup de main parce que je suis pas persuadé que ça soit vraiment. Je dis faut aller à bord gauche et je mets un coup de main, coup de poignet qui me dévie. Oh là là, je suis dégoûté. Ah ouais, là non, je suis dégoûté. Je fais une belle approche, je me donne presque le putt, je suis à allez 1,50 m à peine et je suis pas. Ah, je putte un petit peu avec de la retenue et du coup je mets un petit coup de poignet et je pars à gauche. Oh, j'ai pas le droit de faire bogey là-dessus. J'ai pas le droit. Allez, bon, faut l'oublier. Faut l'oublier. Allez, go! Trou numéro 12, un par 4 de 281 mètres, un très très léger dogleg droit, fairway tout en dévers vers la droite, donc pas trop se retrouver sur la droite. L'objectif est de viser le milieu du fairway pour avoir une attaque du green pas si simple qui est complètement en aveugle et un green très très pentu et très difficile à putter. Je fais un très bon drive en léger fade qui va se positionner en plein milieu du fairway et en plus sur une partie assez plate. Il me reste 90 mètres pour aller au drapeau. Je vise la gauche du drapeau qui est complètement à droite du green pour être sûr d'être sur le plateau et bien placé. Ma balle est un petit peu longue, elle se retrouve sur le pré-green.
Je me retrouve avec un chip tout en descente, pas simple à doser, ça descend très fortement, on ne le voit pas très bien à l'écran. L'objectif c'est de m'appliquer, de toucher à peine la balle et laisser faire la pente, laisser faire le reste de la pente. Malheureusement, je ne m'aligne pas très bien au niveau du drapeau, j'ai la bonne force, mais je vais me retrouver 1,50 m, 1 mètre sur la droite. Pote de retour pas si simple, un fort droite-gauche, je décide d'attaquer plutôt le trou pour ne pas subir à la pente et je rentre le putt. Trou numéro 13 qui est parallèle au trou numéro 12, c'est la particularité d'Angoulême, c'est que les départs du 12 et du 13 sont l'un à côté de l'autre. C'est un long par 5 de 443 mètres. Le premier coup est assez long, il faut viser entre deux arbres et ensuite le deuxième coup est complètement en aveugle pour atteindre le green. L'objectif est vraiment de trouver le fairway pour avoir un deuxième coup jouable et essayer de gagner de la distance. Malheureusement, mon driver me joue un peu des tours, je fais pas mal de slices aujourd'hui et je me retrouve caché dans les arbres à droite. Je décide de prendre mon bois 3 pour essayer de gagner de la distance. Malheureusement, je me relève, je top ma balle et je fais 30 mètres maxi. Et je me retrouve donc avec un troisième coup à plus de 170 mètres du drapeau. Je prends mon bois 3, je veux jouer un gros fade. Malheureusement, je fais un gros slice et je vais me retrouver très court pour une attaque du green. Il me reste 80 mètres pour atteindre un green très très peu large. Et je prends mon pitch, j'essaye de le tenir et il va m'arriver la même mésaventure que le trou numéro 11. Eh oui, je suis trop long, je suis dans le bunker. J'ai passé le drapeau, j'arrive de là-bas. Tant pis pour moi. Allez, on va essayer de la sortir. On ne va pas voir ma sortie de bunker car je la rate et je vais donc me retrouver très court à l'entrée du green. Du coup, je vais avoir une autre approche à faire pour pouvoir atteindre le drapeau. Je décide de prendre le putter pour essayer de m'approcher vu que c'est un pré-green. Je vais un peu me faire surprendre par la pente et me retrouver avec un putt de retour d'un mètre que je vais quand même bien négocier pour finalement finir à double bogey. Ah, ça fait deux fois où je me retrouve très long à cette distance-là, entre 70 et 80 mètres. Je fais pas, enfin, je fais le bon coup, mais je pense que j'ai pas le club parce que j'ai un pitch avec lequel je fais voilà 100, 110 mètres, donc j'essaie de faire des moitiés de pitch, mais c'est compliqué. Et j'ai pas d'intermédiaire. Après, j'ai un 53 degrés, mais 53 degrés, 70-80 mètres, je suis un peu juste. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je regarde pour un 50 degrés dans ces eaux-là parce que je suis toujours embêté avec cette distance. Parce que mes deux coups de pitch sont longs sur le 11 et sur le 13. Mais par contre, ils sont super bien touchés, donc juste une question de puissance. Donc c'est dommage de perdre des coups là-dessus, mais j'ai pas le club pour le moment dans mon sac, donc il faut faire avec ce qu'on a. Allez, on attaque le 14, plus 6, départ du 14, c'est bien. Allez, on est dans les temps. Allez, go. Trou numéro 14, un par 4 de 325 mètres en léger dog gauche, hors limite tout à gauche. L'objectif, c'est soit le milieu de fairway ou on peut même s'égarer à droite. Je fais un bon drive qui s'échappe un petit peu à droite, mais qui va rester sur le fairway pour avoir un deuxième coup complètement jouable vers le green. Je décide de prendre mon fair 7 et je m'aligne un petit peu trop à droite et je vais malheureusement pas atteindre le green et me retrouver dans le petit rough sur le côté. Il me reste donc une approche à 25 mètres du drapeau. Je suis dans le rough. L'objectif, c'est de faire tomber la balle à l'entrée de green pour qu'elle avance et qu'elle roule vers le trou, légère montée vers le drapeau. Je réussis mon coup, mais la balle va taper une botte de terre et finalement pas rouler autant. Je pense qu'elle avait une bonne direction. Bon, ma balle a pris, on le voit sur la trace, a pris une bonne motte de terre, de ver de terre là. Donc du coup, elle a moins roulé. Bon, elle est bien donnée, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, elle aurait été encore beaucoup plus proche, beaucoup, beaucoup plus proche du trou et voire peut-être, peut-être, peut-être dedans. Mais bon, allez, on va quand même le mettre. C'est un putt donné et ça sera donc le par sur le trou numéro 14.
jamais simple ces petits putts avec quand même une belle petite pente droite-gauche. Donc du coup, on est toujours partagé entre bien la toucher et bien la frapper. Bon, et c'est dedans, c'est très bien. Allez, on va sur le 15. Trou numéro 15, un par 3 de 132 mètres avec un green tout en longueur. Bunker à droite, bunker à gauche, ça descend vers la gauche. C'est très difficile vers la droite, donc si on doit rater, vaut mieux être court. Mais vaut mieux être sur le green si on veut faire quelque chose. Je prends mon fer 7 et je vise un tout petit peu à droite du drapeau et je vais très bien faire ce coup qui va me mettre sur le green. Il me reste un putt de 3,50 m à négocier. Légère descente vers le drapeau. L'objectif, c'est de me rapprocher le plus près possible pour avoir un putt donné pour le par. Je dépasse un petit peu le trou, je me retrouve à 1,50 m. L'objectif, c'est de s'appliquer pour rentrer. C'est un putt en montée que je vais bien négocier et faire le par sur ce trou. Allez, il me reste 3 trous, 16, 17, 18, plus 6 départ du 16. Pour l'instant, je suis assez content, même si je peux presque être déçu sur certains coups. Mais je suis plutôt content de la carte. Alors pour moi, 16, 17, 18, c'est les trous les plus... font partie des trous les plus compliqués d'Angoulême. Là, on est sur un handicap 11. Personnellement, je comprends pas trop pourquoi ce trou-là est en handicap 11, parce que c'est un gros dogleg droit, le numéro 16, avec un green, avec 3 ou 4 plateaux différents, surélevés. Enfin, voilà. Pour moi, là, on attaque 16, 17, 18, un peu le main corner de Angoulême. On va essayer d'aller le jouer le mieux possible et essayer de rendre une belle carte à la fin. Donc, y a pas à tergiverser. Vamos! Trou numéro 16, gros dogleg droit de 292 mètres, un par 4. La mise en jeu est très importante pour pouvoir avoir l'ouverture vers le green. Un green surélevé à différents plateaux, défendu par des bunkers à gauche, à droite. Derrière, c'est leur limite. À gauche, c'est leur limite. Donc un trou pas facile à négocier, qui est très conditionné par la mise en jeu. Je fais un très bon drive qui va partir sur la gauche, qui va me rallonger un petit peu donc de la distance vers le trou, mais je vais quand même me retrouver sur le fairway pour attaquer le green. Je me retrouve à 135 mètres du drapeau, je prends mon fer 7 et je décide d'agresser le drapeau et d'être le plus près possible. Ah, je suis arrivé un poil trop à gauche et du coup ma balle est descendue. J'ai pas dû manquer le green de beaucoup. Voilà, ma balle est là. Le drapeau est là, grand dévers partout sur ce green, et on arrive tout à fait en bas là, voilà, donc le green était parti gauche, et moi j'ai dû pitcher dans le coin et aller dans le bunker. Bon ben maintenant il faut la sortir, hein, cette sortie de bunker. Allez, on va essayer. Je réalise une bonne sortie de bunker, un petit peu longue, mais au moins elle est sortie, et j'ai un putt pour le par à ma portée. Bon, sortie de bunker plutôt correcte, peut-être un poil longue, mais c'est pas mal. Donc là, j'ai un gros droit de gauche à rentrer. Allez, on y va. Putt de droite gauche, mais également fort descendre. Donc j'essaye de m'appliquer. L'important, c'est le dosage pour ne pas dépasser trop le trou. Je m'applique, sauf que je vais prendre trop de précautions et je vais me retrouver court sur ce putt. Du coup, ce sera le bogey. Tant pis, c'est le bogey. Ah, c'est ce deuxième coup, et finalement, manquait pas grand chose pour rester sur le plateau et avoir deux putts. Après, un petit peu timide sur le putt, mais ça descendait droite-gauche très fort. Voilà pourquoi je vous disais aussi que ce trou n'était pas si simple que ça. Le green est très difficile. Bon, allez, plus 7 départ du 17, on y va. Numéro 17, par 4 de 229 mètres, c'est pas très long, mais par contre hors limite à gauche, hors limite à droite, hors limite au fond, très compliqué, on peut l'attaquer en 1 avec des gros bunkers en dévers, un green très surélevé, c'est très difficile, l'objectif c'est plutôt de mettre une bonne mise en jeu, comme sur le schéma, et essayer de trouver le milieu du fairway pour avoir un deuxième coup de 40 mètres à peu près vers le green.
Je tape à bon drive, un peu trop sur la gauche, du coup je ne vais pas avoir assez de puissance pour passer les buissons, ma balle sera hors limite. Je tape une balle provisoire et cette fois-ci cette balle sera plein milieu du fairway. Donc voilà, on arrive de là-bas. Il y a ça à passer pour aller sur le green. Et malheureusement, je ne suis pas passé. J'ai retrouvé ma balle. Et pas que d'ailleurs, j'en ai trouvé trois. Mais j'ai retrouvé ma balle dedans. Allez, il me manquait 3 mètres. 3 mètres pour aller derrière. Donc du coup, ben, ma provisoire est ici. Donc je joue mon troisième coup. Non. Mon quatrième coup d'ici. Voilà. Tant pis pour moi. Allez, il va falloir sauver. Sauver quelque chose. Allez, vamos. Il me reste 50 mètres, je prends mon 53 degrés, je gratte un petit peu, je vais me retrouver en pré-green. Bon, allez, limite. Limite de redescendre, mais elle est là. Bon, ben. Je vais prendre le putter, je pense, parce que c'est assez plat. Et puis, ben, on va essayer de. Ben, si on fait deux putts avec ce qui se passe. Ça serait plutôt pas mal. Allez, go. Je décide de faire l'approche au putter et je pense que c'était finalement pas une bonne idée. Le pré-green est assez bosselé, du coup il va me manquer de la force. Je pense que l'approche roulée aurait été plus judicieuse. Du coup, ma balle va vite se freiner. Il va me rester un putt pas du tout donné pour le double bogey. Et ben, comme les choses ne sont pas à moitié, je vais malheureusement rater ce putt de double bogey. Et ça sera donc un triple bogey sur ce trou. Ce qui me fait très très mal sur la carte à un trou de la fin. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. De faire triple bogey. Mais c'est comme ça. Voilà, bah, on met une balle dehors. Après, approche trop courte. Gratter. Et finalement, on mange. Bon, ben, bah, allez. Plus 10 départ du 18. Faut faire minimum le par au 18, sachant que c'est le plus long par 5 du parcours. Et tout en montée, il y a deux très très grands coups à faire. Et j'ai fait deux par 5 depuis le début. J'ai fait deux double bogey, un double bogey sur chaque par 5. Bon ben, on va faire mieux, hein. Allez, vamos. Trou numéro 18, un par 5 de 452 mètres, tout en montée. Grand coup à faire au drive, plus un deuxième grand coup aussi pour pouvoir atteindre un plateau de l'approche du green entre les bois et pour arriver au clubhouse. Très important, ce sont les deux premiers coups, notamment la mise en jeu. Je fais un drive plutôt bien touché, mais qui part complètement sur la droite et du coup je vais me retrouver dans le rough avec une deuxième coup impossible à jouer. La direction est derrière le buisson, je veux jouer un fade, mais malheureusement je la prends trop bien et je vais me retrouver sur le départ du 8 et du 11, complètement bloqué par les bois. Je fais donc une approche que j'ai oublié de filmer, je fais un layup pour me retrouver au milieu du fairway pour avoir une attaque de green. Je suis à 135 mètres du drapeau, je prends mon fair 7 et je vais malheureusement me retrouver un petit peu à droite pour l'attaque du green et je vais me retrouver au bord du green. Il me reste une approche à peine 20 mètres. Je prends donc mon 53 degrés pour essayer de faire une approche un peu lobée, qu'elle tombe un petit peu avant le drapeau et qu'elle roule au drapeau. Je vais très bien la toucher et me donner donc le putt pour le bogey donné pour finir donc à plus 11 sur ce parcours. Bon, ben voilà, partie terminée. Je viens de faire les calculs, je finis donc à plus 11. L'objectif, c'était de faire plus 10 maxi. Donc, je suis presque dans mes temps, mais
Si je dois faire un bilan sur ma partie, finalement mes mises en jeu, notamment au driver, je suis un peu déçu. Alors cette semaine j'ai bossé quelque chose, on m'a modifié quelque chose au niveau de mon swing, j'ai essayé de le mettre en place, mais pour l'instant c'est moyen, mais je sais qu'il faut passer par là si je veux réussir des bons drives. Du coup j'ai retrouvé un slice que j'aimais pas trop. Mais bon, je veux pas bricoler, je veux que ça soit propre, donc il faut que je passe par ce qu'on m'a expliqué pour y arriver. Donc un peu déçu de mes mises en jeu, aussi déçu de mes seconds coups sur les longs par 5. J'ai pas forcément très bien négocié mes par 5. Après, je suis plutôt content de la qualité de mes fers, de mes approches, de mes putt pas trop mal, voilà. C'est une bonne carte. Ça fait un mois et demi que j'ai repris. Jouer plus 11 au bout d'un mois et demi, eh ben c'est plutôt bien quand même. Donc on va se contenter de ça. Je ferai sûrement un autre vlog très bientôt. Ça sera peut-être pas au golf d'Angoulême, à suivre. En tout cas, je vous invite à aimer la page YouTube. Si vous avez aimé ces vidéos, j'en suis à mon troisième vlog. Celui-ci était moins causant que les autres. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je vais faire le montage tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à aimer ma page, à la partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se voit bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère. Allez, passez une bonne journée. Vamos!